Stéphane est vendeur chez Paul. En arrivant, je me rends directement au vestiaire en évitant de passer par les zones de travail dans ma tenue personnelle. Je commence par me désinfecter les mains, puis j'enfile une tenue propre et un nouveau masque. Si un prestataire ou un livreur doit accéder à nos locaux de production, il devra également s'équiper de la tête aux pieds. En fabrication, on porte toujours le masque. Je vérifie que tous nos produits sont bien protégés d'une éventuelle contamination. Je me lave les mains toutes les heures et après chaque contact salissant. Je change mon masque toutes les 4 heures. Et je désinfecte tous les points de contact 4 fois par jour. Et côté client, ce n'est pas compliqué. Bienvenue chez Paul. Avant de rentrer, je mets mon masque. À l'entrée, je trouve du gel hydroalcoolique pour me laver les mains. Le marquage au sol indique les distances à respecter pour éviter les risques de contamination. Je ne touche jamais les produits à la main, je sers toujours avec une pince. Pour le paiement, je privilégie le sans contact, mais j'accepte le cash. Je me désinfecte les mains après chaque prise de monnaie et je désinfecte régulièrement le terminal de paiement.